Et salut à tous, donc on se retrouve sur Fortnite, donc pour l'étoile cachée de la semaine 7, donc détente festival. Donc voilà, du coup on se trouve dans l'écran de chargement, donc comme d'habitude on va l'analyser. Donc on peut voir au fond un tacos du coup sur le mur, donc il est pas vraiment caché, on le voit très bien. Donc du coup on peut en déduire que l'étoile se cache quelque part à Grazy Groove. Donc voilà, du coup c'est parti, je vais vous montrer où trouver l'étoile. Donc voilà, on se trouve en game, donc n'oubliez pas, pour chercher l'étoile il faut du coup avoir l'écran de chargement. Donc pour avoir l'écran de chargement, je répète, vous devez avoir fait 3 défis détente festival. Une fois que vous avez fait ces 3 défis, vous obtenez du coup l'écran de chargement et vous pouvez aller chercher l'étoile. Donc voilà, n'oubliez pas de faire les défis. Chaque fin de semaine, enfin chaque semaine normalement ça change. Donc là on a les défis festival, une fois qu'ils seront finis, ça sera d'autres. Donc si vous n'avez pas obtenu l'écran de chargement, vous ne pourrez tout simplement plus obtenir l'étoile. Et pense, ce qui est dérangeant, c'est que pour aller chercher l'étoile, c'est qu'on va danser à chaque fois. Donc je vous remonte sur la carte. Alors tout simplement, il faut aller, voilà, juste ici. Donc à Grazy Groove, donc le restaurant tacos, vu que le dessin c'est le tacos, donc à mon avis du coup c'est dans ce magasin là. Donc là du coup hop, je vais enlever juste le point. Donc là vous rentrez et normalement l'étoile elle est soit quelque part là ou soit quelque part là, voilà, elle est juste ici. Donc comme d'habitude vous avez juste à la prendre et c'est terminé, voilà, vous avez obtenu l'étoile. Donc comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine.